On peut dire tout ce qu'on veut sur Didier Deschamps. Je crois d'abord que c'est un honnête homme. Il est champion du monde sortant sans Benzema. Oui. Donc il n'a aucune raison de prendre Benzema. Il peut justement dire j'ai gagné une Coupe du Monde sans lui. Etc. Sauf qu'il y a l'Euro qui a été décalé d'un an, etc. pour les raisons que vous connaissez. Et donc, si vous voulez, il s'est dit pourquoi pas. Et puis Jacques, les trois joueurs avant l'Euro dont on parle dans toute l'Europe chaque semaine, ce sont Mbappé, Kanté et Benzema. Exactement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, de toute façon, Benzema, regardez, j'ai regardé, 278 buts en 557 matchs avec le Real Madrid, 2009. Donc c'est l'un des meilleurs avançants du monde. Alors il y avait une embrouille, Didier l'a géré le mieux. Vous savez, il y a une tradition, je veux dire, quand vous êtes sélectionneur d'équipe de France, c'est que vous apportez les joueurs que vous avez retenus, 26 à cause de la pandémie. Donc, il y avait habituellement, c'est 23. Là, c'est 26 à cause de la pandémie, au cas où. Il communique la liste à Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football. Il a dû le faire vers 18h, 19h pour lui dire, voilà, ouais, je prends Benzema, etc. Didier, je te fais confiance, etc., etc., etc. Je crois très honnêtement que c'est une bonne idée pour gagner une nouvelle fois. Voilà. Et qu'il faut faire abstraction, de temps en temps, de problèmes perso, d'état d'âme, dans l'intérêt supérieur de quelque chose. Voilà. Vous l'avez depuis quelle heure, la liste? Vous l'avez eu avant ou après Noël Le Graët? Vous l'avez eu avant. Ah, tu l'as trouvé, là. Non, mais pas trouvé. Vous savez pas mentir encore. On va retourner son papier, là. Ça s'appelle un petit tacle par derrière. Non, mais c'est bien. Non, je l'ai... Logiquement... Il allait dire, je l'ai pas. Logiquement... Karim Benzema est en équipe. Logiquement, de à 99,9%. Voilà. Jacques, je suis ravie de vous avoir fait piquer un phare. Oui, vous avez rosi. Ah oui. Et vous avez rosi d'avoir eu la liste avant tout le monde, directement venue du ciel ou de Clairefontaine ou de je ne sais où. Merci d'être venu nous apporter cette coupe en exclu, cher Jacques Vendroux.